3, 4, 2. 3 et 4 et fa, fa, mi, 3 et 4 et do. 3 et 4 et... Attention, tu vas trop vite. 3 et 4 et... 3 et 4 et fa, fa, mi... Dernière répétition pour ces apprentis musiciens du Conservatoire de musique et de danse de Gonay. Demain, ils tiendront leur première audition devant un public. Depuis le début de l'année, ces jeunes se préparent pour cet événement. Répartis dans une vingtaine de groupes, ils travaillent sur des musiques d'Amérique du Nord et du Pacifique. Ils viennent deux fois par semaine, ils ont leur cours d'instruments. Ils sont avec le prof de chaque discipline, les pianistes avec le prof de piano, etc. Et ils ont aussi les créneaux de groupe. Donc là, c'est plusieurs élèves de différents instruments qui forment des groupes pour pouvoir jouer du répertoire. Chaque groupe a son morceau. En fait, il y en a qui travaillent deux morceaux, mais avoir un morceau déjà, c'est assez conséquent pour eux. Ce groupe interprète le titre « Imagine Me » de Kirk Franklin, tiré du répertoire gospel américain. Pour leur professeur, le morceau est bien maîtrisé, reste à peaufiner quelques détails au niveau rythmique. Malgré le stress, les élèves se veulent méticuleux. Ok, et tout à l'heure, à un moment donné, on était passé dans la A, mais t'avais pas remarqué. Je m'en sors pas mal, mais parfois... J'ai des difficultés parce que je me trompe avec les parties B et les parties C, puis avec les notes parce que c'est différentes notes par partie. Ça va, en fait je me sens à l'aise de jouer devant des gens, j'ai juste peur de faire des fausses notes. Genre des fois quand tout le monde joue en même temps, j'arrive plus à suivre et du coup je fais des fausses notes. C'est un moment assez particulier quand on est... sur scène, on se sent peut-être un peu seul malgré qu'on est en groupe parce que, à leur stade au début et tout. Donc ouais, je sais qu'ils doivent être un peu... Mais ça va bien se passer, je suis confiante. Retrouvez Mounoua, Kirsten et leurs camarades lors de leur audition demain de 17h à 19h à la place des Poilus, en contrebas de la gendarmerie de Gonay.